bientôt disponible sur DVD. Ever. John Bizou is back. With more weapons and new enemies. His name is Max Gallin. He's wanted for international crimes. Wait. Can I like a warm hug? Okay. I'm gonna kiss his ass. This summer. Time to kiss goodnight, mother lover. Prepare. Congratulations, John. You've kissed all of my men. Now it's time to pay. With a hug. Not before I kiss you. John Bizou 2. License to Kiss. Available soon on Blu-ray, DVD, CD, VHS combo. Et maintenant, votre programme principal. Pour quelque chose que vous pourriez faire vous-même? Oubliez ça. Avec Clarinette, l'affaire est claire et nette. Oh, Clarinette brille avec Clarinette. On les nettoie du bout au bec. OK, tout le monde, on a beaucoup d'objets perdus de clients qui n'ont pas été réclamés. Donc, si vous êtes intéressé, levez la main. Une tuque au paprika. Ouais. Une passe backstage pour toutes les shows de Québecissime de 2009. Ouais. Une sonnette qui sonne chez Marc Hervieux. Entrez! Ça m'adresse. Un gâteau assez cochon, merci. Une radiographie du périnée du maire Labeaume. C'est à moi! Et finalement, les mots cracacu écrits en pâte alimentaire. Moi! Alors, pour terminer notre chili, on rajoute deux petites cuillères à thé de notre sauce spéciale ultra picante. C'est très piquant, c'est important de ne pas en mettre beaucoup. Donc, une. Et deux. Ensuite, on brasse. Et puis, on goûte. Hey, I don't t'a que c'est bien piquant, ça c***! Ah! Pas suivi. OK, tout le monde. Quelqu'un a été mordu? Mordu! Ah, non! C'est parce que j'ai commencé à pêcher, puis ça a mordu. Mordu! Excusez! C'est parce que je viens de trouver des cassettes de tous les épisodes des Mordus avec André Robitaille. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas compté les pout-poutes. Mordu! Non! C'est lui qui voulait savoir c'était quoi la règle pour accorder les verbes en ER, que j'ai donné le truc de mordre ou mordu. Pourquoi tu veux savoir ça, toi? Parce que je pense que je me suis fait mordu.
Hola. Me llamo señor Puel. Bienvenido al tercero curso de español. Bonjour. Je m'appelle monsieur Puel. Bienvenue au troisième cours de espagnol. Uno. Gela. Reiki. Bru. Lansi. Boire. J'ai la raie qui brûle en six boire. J'ai mal appliqué ma crème solaire. Dos. Chuban, decom, unch, val. Chuban, decom, unch, val. Madame, y a-t-il Internet dans votre bed and breakfast? 13. Ça. Ça sent l'apicicite. Ça sent l'apicicite. Bonjour, grand-maman. Je dérange pas longtemps, juste vous dire de vous abonner en cliquant sur le petit piton rouge, puis cliquez aussi sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, vous allez savoir quand on sort les affaires, parce que même nous autres, on sait même pas quand ça sort. Fait que, puis aussi, si vous voulez nous encourager, allez voir notre site web, lesappendices.tv. On a des casquettes, des t-shirts, des hoodies, toutes sortes d'affaires. On a même un chandail de loup comme dans la chanson. Chandail de loup! Bisous, câlin, bye bye! Kilomètres pour aller avertir les soldats britanniques d'une embuscade des Américains. Mais souvenons-nous aussi de tous ces héros qui aidèrent Laura Secor. O. Henry, Aero, Kit Kat, Mr. Big et Caramilk qui tomba sous les balles. Caramilk, avant de mourir, révèle-moi ton secret. Pour mettre le caramel dans les petits carrés, il suffit de... Caramilk! Non! Bonjour. Ding dong, ding ding dong, boum boum fa la boum boum pow. Ding dong, ding ding dong, boum boum fa la la pow. Ding dong, ding ding dong, boum boum fa la boum boum pow. Ding dong, ding ding dong, boum boum fa la pow. Wabble wabble pow pow, wabble wabble pow pow, wabble wabble pow pow, wabble fa la pow. Ding dong, ding ding dong, ding dong, ding ding dong, fa la wabble fa. Ding dong, ding ding dong, fa la wabble pow. Ding dong, ding ding dong, boom boom fa la ding dong, ding ding dong, fa la pow. Ding dong, ding ding dong, boom fa la pow. Ding dong, ding ding dong, boom fa la pow. Ding dong, ding ding dong, boom fa la pow. Ding dong, ding ding dong, boom fa la pow. Ding dong, ding ding dong. Merci. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée de sortir. Surtout avec Jean-Michel qui risque de se transformer en zombie. Je sais, mais on manque vraiment de cure-pipe. Puis il nous reste juste un demi-baril de paprika. Je suis pas sûr de comprendre l'urgence, là, mais bonne chance. Allô? Tu sais, là, vu qu'on est rendus juste tous les deux, on pourrait peut-être en profiter pour se faire un peu de fun. Je suis content que t'en parles. Ouais, ça fait 3 mois que je traîne manger de dame. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, ça fait longtemps que j'ai pas été intime avec un homme. Ça te manque pas, tout ça? Je sais pas. J'ai jamais vraiment été intime avec un homme. Mais voyons, c'est pas compliqué, là. Je veux qu'on fasse! Ils ont pris. Ils nous ont entendus. C'est quoi ça? Ça, c'est mon sel, ça. Ah, ben oui, signal rentre. Mais vite, appelle les secours! Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu fais? Là, je prends mes mails. Non, arrête, appelle! Oui, 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 j'ai ça. Hey,
Comment tu fais pour te détailler une photo de Facebook? J'ai l'air d'un cave là-dessus. Appelle! Ouais, j'appelle, j'appelle. Ah! Hey! Au secours, en l'aide, je suis stressé au travail et mes nerfs m'énervent et je suis panique et je suis à fleur de peau de fleur. Ah là là, you, quelle situation de mise en situation de crise. Si, comme la phrase que j'ai dit, vous broyez des idées noires silence et que vous êtes au bout de votre roulotte de tape, n'attendez pas de claquer aux fraîches pets et l'utilisation de Relaxi Maximum, c'est la seule lutte en sédatif, c'est d'accord. Dites adieu à jamais dire jamais, sauf maintenant, dites-le au stressage de cordes qui vous pend au-dessus du nez. Effectivement, songez! Décrochez de la vie sans vie en rose et aussi du nœud coulant que vous avez installé dans le sous-sol. Relaxi Maximum. Oui! Dites non à la dépressurisation et envolez-vous vers de meilleurs essieux! À un moment donné, j'avais parlé des petits bruns. Là, je vais vous parler des gros bruns. Dans les gros bruns, il y a du blanc. Et si tu veux manger le blanc, faut casser le brun avec un marteau. Que là, vu que le gros brun est fendu, on peut boire le jus. Mais faut pas tout boire le jus. Parce que ça donne vraiment le flux. Faut que j'y aille. C'est ainsi que l'on fabriquait les beignes à l'époque de Jésus. Merci, Mario. On rejoint maintenant Claude Poinpoin pour l'actualité judiciaire. Salut les amateurs de crème, bonsoir. On nous aurait averti sur mon téléphone boîte vocale qu'il y aurait un individu portant le nom de Denis et des longues culottes à carreaux qui aurait été aperçu le long de la rue René-Lévesque qui aurait commis un hold-up. On recherche un suspect très suspect de 6 pieds 40 avec des dentilles. On passe à un prochain appel. Salut Claude! T'irais-tu chercher les billets pour le spectacle des petits Suisses? C'est les petits Suisses qui chantent, là, puis ils sont en patin! Certainement, mon amour! Et s'il y en a qui ont des informations sur des crimes, les violences ou le domaine de la criminalité, simplement me les communiquer en téléphonant. OK, c'était les Chipmunks, pas les gars tout nus! Un soulier! J'ai trouvé un running shoe en dessous de la table. Je sais pas c'est à qui. Si jamais vous avez des informations, tantôt j'ai dit mon amour, mais je me suis trompé. C'était ma sœur. OK. Il va falloir que le monde arrête de penser qu'ils ont pas de compte à rendre. Si jamais vous avez des informations, vous me téléphonez. Les négociations. Disquette. Au revoir. Après Watatatao, Ramdam, Zap, Kif Kif, Kaboom et Tactique, voici la nouvelle série pour les jeunes, Zumbaluau Pif Pif. C'est cool, complètement correct, et puis c'est même le fun. Déjanté, adéquat, au possible, c'est hip-hop au cube. Zumbaluau Pif Pif. Oui, on se voit ce soir. Dis-moi, Marc Tartine, qu'as-tu fait ce week-end de fin de semaine de samedi-dimanche? Ah, pas grand-chose. Je suis allée skier avec mes parents, amis, famille au Mont Everest à Pâques à Noël. Et toi? Moi, j'ai poursuivi mon enquête sur l'assassinat de John F. Kennedy et j'ai découvert que le véritable tueur, c'est... Oh non, c'est un incendie! Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un exercice. Mais êtes-vous correct, professeur Couleur? Mais bien sûr! Ne vous en faites pas si vous voyez de la fumée, des flammes, aucun de vos compagnons de classe meurt carbonisé dans vos bras. Ce n'est qu'un exercice d'incendie. Maintenant, allez, sortez dehors. Oh là! Vous avez oublié la règle? Il ne faut jamais prendre le temps d'apporter ses effets personnels à l'extérieur lorsqu'il y a un incendie. Laissez vos sacs à dos dans vos cases. Mais nos cases sont par là, là d'où la fumée semble provenir. Pas de chichi, c'est la règle. Maintenant, allez, ours! Ah, oh, Dieu, merci à TVA. Vous êtes là. Je crois que cet exercice de feu tourne au vinaigre. Oh, excusez-moi, je ne suis pas un vrai pompier. Je suis déguisé. C'est ici la fête costumée? Oh, mais pas du tout, bougre d'idiot. Maintenant, partez avant que je ne vous rosse les gosses. Éric Moranis, tu n'es pas sorti? Et où est Marie Tartine? Elle a
brûlé comme un tas de paille. Oh là là, cet exercice de feu ne tourne pas seulement au vinaigre, il me tourne aussi en bourrique. Je devrais vivre avec la mort de Marie Tartine sur la conscience pour l'éternité. Pour l'éternité? Vous ne croyez pas si bien dire. Oh, ce n'est pas ici le party costumé. Allez, partez! Mais je ne suis pas costumé! Ah! Et sac! Il s'en passe des affaires dans cette école complètement dingo. Mais rappelez-vous, les enfants, s'il y a un exercice de feu, apportez tout ce que vous pouvez avec vous. Parce que sinon, vous pourriez perdre vos choses. Ou même vous les faire voler. Et vos parents vont vous chicaner quand vous rentrerez à la maison. Vivre sans mon bandana? Jamais de la vie! J'ai passé l'été en Suède, mais j'avais trop chaud, fait que je me suis remis en coton. Les appendices remportent ainsi le prix de la joke la plus drôle. Ce prix est accompagné de la coquette somme d'un million. Tanana! Félicitations à nos gagnants! Attends, tu sais qui est l'aumônier de la chicane? Non. La bisbille. Attends, moi. Sais-tu qui la baie du baseball? Non. La baseball! Ris pas de moi. Ah, je ris pas de toi. Ben oui, je te parle des funérailles de mon père, puis tu pars à cramper. Les funérailles de ton père? Ben oui, la baseball, c'est lui qui a enterré mon père la semaine passée. Il aimait tellement le baseball. Ben oui, mais je voulais pas savoir, moi, là. On se comptait des jokes. T'es jamais capable d'être sérieux, hein? Tu fais toujours ton petit comique, même dans les moments tragiques. Quoi? Ben oui, par exemple, là, à l'Halloween passé, t'étais déguisé en quoi? En clown. Hey, le cave, c'est la fête des morts! C'est pas drôle, ça! Y a juste une affaire de drôle dans la vie. Pis c'est le cul! Hein? Oh, oui! Hey, regarde, j'ai une revue pleine de bonnes jokes. Regarde ça. Ça, là, c'est l'histoire d'un gars qui veut rentrer dans la police, OK? Puis il réussit. Qu'est-ce qui s'est passé? On est arrivé dans une épicerie pleine de zombies, puis on n'a pas trouvé de paprika. On a ramené du safran, mais c'est même pas du vrai. Va falloir en mettre plein avant que ça coûte quelque chose. Hey, Jean-Michel, il est où? Oh, il est juste là. Hey, c'est un zombie! Ben non, c'est pas un zombie partout. Ben, on va lui demander. Jean-Michel, t'es-tu un zombie? A, oui. B, un peu. C, très satisfait. D, toutes ses réponses sauf A, B, C ou E, non. Ben, tu vois, il a dit non. Moi, j'ai plus entendu Ben non, non, il a dit Personnellement, moi, j'ai entendu Mais là, franchement, il peut pas dire E puis A en même temps, là, ça fait aucun sens. Jean-Michel, qu'est-ce que t'as dit, E ou A? Bon, j'avoue que là, c'était pas clair, là, mais regarde, c'est pas un zombie. Aïe, 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 mais c'est mieux! Arrête de Voyons donc, je peux que t'approches, je fais le choc gardé! Excuse! Aïe, aïe! J'ai même pas tiré! Non, je me suis pété l'orteil sur la caisse! Ah oui, t'es... Es-tu correct? On dirait, oui! Danny est décédé 2 secondes plus tard suite à ses blessures. Luc fabriqua la plus grande sculpture de cure-pipe jamais vue. Elle mesurait 35 cm. Valérie n'était finalement pas la dernière fille sur Terre, car la très célèbre championne de bécotage, Chantal Baconbits, avait survécu. Et Eric devint finalement un zombie. Grâce à la populaire application iPhone! Ton arrière, 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 grand-père. Il vivait dans une caverne, il chassait pour se nourrir, puis il s'habillait en poêle, passait ses nuits à broyer, parce qu'il avait peur de se faire bouffer par un dinosaure ou un estifi de gros tigre. Et puis toi, ma petite fille, tu peintures même pas sa roche. Tu fais cuire toute ta viande, puis tu vas sur Internet. Dans ce temps-là, c'était bien mieux. On mourait à 14 ans, puis ça laissait pas le temps d'écrire des hosties de tonnes plates.
grand-mère, elle vivait au Moyen-Âge, elle chiait dans une chaudière, pis elle avait rien que trois dents, ses règles tombaient drette à terre, pis elle torchait avec de la paille, c'était le paradis, pis les Big Macs c'est l'enfer. Cette toune-là, c'est pour te convaincre qu'avant, tout était bien mieux que ce que l'on vit maintenant. Comme ça, tu trouves ça correct quand un ben sort une chanson dans un style de musique qui existe plus depuis 60 ans. Un incendie! J'en ai pas appris ce texte-là! Il est vraiment trop compliqué, il y a des mots! Qu'en fuck-all de bon sang! C'est Claude Legault! C'est lui! Il a du rouge à lèvres! Ouais, pas vrai! His name is Max Callin. He's wanted for international crimes. On s'est levé à 3h, 4h du matin! Exactement! Ça commence à paraître!